Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Alors, je l'ai passé la nuit en off pour bien tout simplement créer quelques matériaux d'artisanat et du coup, on va pouvoir améliorer notre bateau, on va améliorer nos bâtiments, mettre de nouveaux bâtiments. On va tout de suite aller voir ça en jeu! Et du coup, c'est parti, on peut construire. Première bonne nouvelle, la ferme de Beverly. Alors j'ai pas du tout amélioré, réorganisé mon bateau, hein, qui ressemble un peu à rien. Voilà, la ferme de Beverly est améliorée. On peut faire le salon, qui est gigantesque. Oh my god. Donc il nous manque pour l'instant le cellier qu'on n'a pas du tout fait. C'est la seule chose qu'on n'ait pas fait. En même temps, il n'y a personne qui nous a demandé de cellier pour l'instant. Peut-être que ce sera Beverly. On peut améliorer. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot, on peut améliorer chez Astrid. On peut faire l'ensemble télé. Voilà, donc Astrid, ça y est, son bungalow est amélioré. Et si j'ai bien fait mon boulot également, on peut améliorer le concasseur. On va pouvoir concasser plus, encore plus, toujours plus. Voilà. Je vais retourner voir dans ma liste de suivi qu'est-ce qu'on a d'autre. Donc ici, il nous manque de l'ectoplasme en bouteille. Ici, il nous manque de l'ectoplasme en bouteille, de l'ectoplasme en bouteille, des feuilles de bronze, un lingot de fer et des feuilles de cristal. C'est peut-être faisable, ça. Feuilles de verre transparent, feuilles de laiton. Ça doit être faisable également. Et là, le lingot d'argent, ça, c'est foutu. Donc, on va aller voir ce qu'on peut faire. Je l'ai mis où? Je vais dire bonjour à Atul qui a très faim. Je vais lui donner une tarte aux cerises. Parce que pourquoi pas. On lui fait un câlin. Parce que pourquoi pas. Et il n'a rien à nous dire. Alors, on a dit on voulait une, deux feuilles de laiton. Il nous en faut combien des feuilles de laiton? Des feuilles de laiton, c'est pour chez Bruce et Mickey. Non, feuilles de bronze. Feuille de fer transparent, feuille de laiton. Il nous en faut deux, on n'en a pas deux. Donc on doit pouvoir faire. Alors là c'est laiton. Ici c'est bronze et cristal. Est-ce que pour bronze et cristal. Bronze on pourrait en faire deux. Et cristal il nous manque de la poudre de silice. Mais ça c'est qu'une question. Eh bien de temps tout simplement. On va aller pouvoir refaire de la poudre de silice. C'est pas très grave. C'est vrai que j'en ai pas forcément fait d'avance. Donc on a Giovanni qui va être content d'avoir son salon. Parfait. Et on a dit feuille de cristal, si je ne m'abuse. Voilà, on a dit il faut faire de la poudre de silice. On va utiliser notre super amélioration du concasseur pour faire de la poudre de silice. C'est parfait. Et notre rendement est multiplié par deux, donc ça vaut carrément le coup.
faire l'amélioration quand on peut. Voilà. Hop. On va quand même en profiter pour aller voir Giovanni, qui doit être quelque part... là. Oh, pinaise, le salon, il rigole pas. Bambina, c'est juste parfait. Je n'aurais pas pu espérer un salon plus somptueux à te mettre les pieds sur le sofa. Hé, trésor, tu veux que je te serve un verre? Ouais, allez, tu sais que tu en as envie. Allez, juste une petite touche de vodka, un Bloody César sans alcool, alors? Vraiment? Rien? Ah, bah ok, fais comme tu veux, et maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais me prendre un petit remontant. Tu me suis? Ouais, pas le bon public. Ciao, ciao! Et effectivement, Astrid a faim. J'ai du riz, je crois. Est-ce que j'ai mieux que du riz? Du pain. J'ai pas lui donner du pain quand même. Donner du riz. Et elle a pêché un peu. Parfait. Je vais faire un câlin. Et du coup, normalement, je peux retourner à la forge et faire des feuilles de cristal. Ça va être parfait. On va pouvoir un peu améliorer chez Bruce et Mickey. Ça devrait être pas mal. Et pour le reste, il y a quand même beaucoup de choses qui nous demandent de l'ectoplasme en bouteille. On va voir ce qu'on peut faire. Ah oui, c'est vrai que j'ai un lingot de fer à faire aussi. Un lingot de fer... Et ici, on n'a pas d'argent. Donc on aura fait tout ce qu'on... Tout ce qu'on peut avec les matériaux qu'on peut, en tout cas, qu'on a, qu'on connaît. Et on va en refaire une... Ah, lingot de zinc. Sapristi. Lingot de zinc. De toute façon, il faut que je fasse du fer. Donc on va en profiter. Je voulais bien aller ici. Je voulais faire un lingot de zinc. Je vais en faire un et un seul. Parce qu'ils vont en faire deux, hein. Bien évidemment, avec le rendement de notre machine. Et c'est vrai qu'on avait dit qu'on débarquerait pour aller chercher notre zinc. Un petit peu de rab. Ça commence à être un peu limite. Après, on voit aussi que matériaux, au bout d'un certain temps, on n'en a plus forcément besoin. Même si on va faire des feuilles de cuivre, des feuilles de fer et compagnie. Et du coup, du fer, on a dit. Fer. Oh, le nombre de fer que j'ai, j'y vais volontiers. On va quand même essayer de faire avancer l'histoire. Hein. Débarquer pour aller chercher des matériaux, c'est peut-être pas la priorité. Par contre, améliorer les bâtiments pour que justement on puisse avancer dans les histoires, ce sera un peu plus important. Hop, 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 je pense que je peux donner un petit coup. Ça devrait se finir tout seul, hein, normalement, vu la vitesse à laquelle ça descend. C'est ça. C'est parfait. Donc, on va aller faire notre dernière. Feuille de cristal. Je crois bien que j'ai oublié de sonner la cloche. Tout occupé que j'étais à faire plein d'autres choses.
Et j'entends la petite musique de Francis. C'est parfait, hein. Si Francis il nous rejoint, on va pouvoir faire du troc avec lui. C'est toujours intéressant. Voilà, une feuille de cristal, c'est parfait. Ce qui veut dire... ici, on peut améliorer chez Bruce et Mickey. Faire quelque chose de brillant. Il faut quoi pour les feuilles de verre transparent et feuilles de laiton que je ne les ai pas faites? Feuilles de verre transparent et feuilles de laiton. Feuilles de laiton. Il faut du zinc, ok. Et feuilles de verre transparent. Feuilles de verre transparent, je peux faire. Ok. J'ai dû me dire non parce que j'avais pas le zinc. Par ici, scout. Moi et mon frère, on est des gens pratiques. On demande quelque chose, tu le livres. C'est simple. Mais il y a quelque chose qu'on devrait même pas avoir à demander. Tu sais ce que c'est? La nourriture. Les gens mangent. Normalement, genre 3 fois par jour. On peut pas quitter ce bateau et aller au snack bar. Et là, j'ai peut-être l'air fâché d'être ici. C'est parce que je le suis. Tu ne nourris pas. Ok, ça peut aller, mais mon frère, ça marche pas, scout. Sors d'ici, rapporte-nous une foutue guédille de homard. Une guédille de homard, ça, on a la recette. Guédille de homard, guédille de homard, guédille de homard, homard et farine. Homard et farine, farine. Homard, homard. Ça, c'est faisable. Par contre, j'ai entendu la musique de Francis et je vois pas Francis, donc j'ai... soit je me suis fourvoyé, soit... non. On l'a loupé. Effectivement, Francis n'est pas du tout là. Et bien du coup, on va aller faire un tour en ville. Essayer de choper un peu de zinc. C'est ce qui pêche. Pour pouvoir améliorer chez... nos amis. Voilà. Alors, de mémoire. Voilà, de mémoire. Il y a des choses ici. Alors, on notera qu'Astrid n'est pas ici. Il me semble que c'était sur celui-là qu'elle était d'habitude. Et que donc, on a peut-être... une Astrid qui serait fâchée. Puisqu'elle nous a dit qu'elle avait besoin d'être seule. Et effectivement, si elle ne vient pas miner du minerai avec nous. Oui, je me suis loupée, je sais, c'était là. Du charbon, c'est toujours pas ce que je veux. Du fer, c'est toujours pas ce que je veux. Aurais-je halluciné? Pas sans savoir du zinc ici? Scout. D'accord. De retour au point de départ, Scout. Écoute bien. Il devrait y avoir un gros chargement à cet endroit ce soir. Nous avons seulement besoin d'entrer dans cet entrepôt et d'attendre. Et pour ce qui est de toi, j'ai besoin que tu distraies les gars. Je vais couper les barreaux. Et le gros, ici, va faire la fête à ces gars. Ça sera simple. On va piquer leur uniforme et on va continuer leur ronde pour se fondre au paysage. Pigé. Attends, tu veux pas? Tu as perdu ton mordant, Scout. J'ai besoin de ton dévouement. Quand je t'ai rencontré, t'avais les yeux d'une tueuse. Rouge, avec de la vraie colère. C'était magnifique. Maintenant, tu veux même pas balancer quelques gardes? Bon, merde. Je suppose qu'on devra faire le gros du boulot nous-mêmes. C'est dans ça que nous sommes bons, salir les mains. Dégage maintenant, ça sera pas beau. Ok, ils vont nous faire je ne sais pas quelle magouille.
Donc je cherche mon zinc. Ici, il n'y a rien. Aurais-je halluciné? Si je commence à halluciner, hein, dites-le moi. J'étais persuadé d'avoir lu qu'il y aurait du zinc. Et je vois absolument rien qui ressemble à du zinc. Et du coup, vous faites quelque chose, les gars? Ok, ils veulent plus nous voir. Bah, j'ai peut-être complètement halluciné. Ou alors j'ai pas réussi à l'atteindre, tout simplement, parce qu'il y a encore des zones sur lesquelles on peut pas aller. Est-ce qu'il me faut quelques obols de plus, quelques étant une. Et je voulais de la farine de blé. J'ai pas l'impression d'en avoir eu encore. On a déjà nos moutons qui sont à peu près. Du coup, effectivement, j'ai pas eu de minerai de zinc. On va aller vérifier sur la carte, mais pour l'instant, il fait trop noir pour naviguer. Donc, on peut même pas vérifier la carte. Ici, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je pense que ça fait 45 fois que je le vérifie. Il fait trop noir pour naviguer. Je peux pas vérifier. Continue de nourrir mes moutons avec les cerises. Oui, je sais. C'est toujours aussi chelou, mais tant que ça fonctionne, eh ben, on va pas s'en plaindre. Je vais rentrer. T'as même pas faim, toi. Toi, t'as faim. Tout cela pousse très vite. On a la lune derrière qui descend tranquillement. J'ai plus de graines. On va essayer d'aller du coup à une caisse. Avec les caisses, on devrait pouvoir choper des nouvelles graines. J'entends ma vache qui meugle. Qui est-il, vache? Ouais, tu as faim. Tu as faim. C'est parfait. Non, la lune n'est pas encore, à mon avis, suffisamment tombée. C'est ça. Après, il y a toute la zone... très haut, hein. Parce que là on voit le bâtiment, on voit qu'effectivement tout en haut
Est-ce que j'aurais pas loupé quelque chose du coup? Est-ce que ça serait pas juste moi qui serais un peu con-con? Ce qui n'est pas à exclure. Parce que par exemple, si je monte ici... Ouais, pour grimper là, c'est quand même un peu chaud. Hein. Et ici, ça se grimpe pas. Ici, le plus haut qu'on puisse grimper, c'est là. Voilà, elle était là l'astuce. Et non, Astrid est bien là, c'est juste que t'es pas allé suffisamment loin. Elle a un peu faim. Tu aimes quoi à part le simple? On sait pas. Si je te donne du dessert... Non, t'aimes pas le sucré. Apprends à lire, Chobiti, apprends à lire. Petit déjeuner? Non. Et elle ne veut pas de câlin. Et voilà, qu'est-ce qu'il fallait pas faire pour mériter un petit peu de zinc? Et pourquoi es-tu en anglais, toi? Il y a un formulaire pour chaque occasion, c'est pourquoi il m'appelle l'homme au formulaire. Et il nous dit que c'est plus marrant avec la prononciation qui va bien. Et je peux pas atteindre là. Ici, c'est un peu l'arnaque. Je peux peut-être partir d'ici en prenant de l'élan. Pas du tout. Quand même y avoir un moyen. On peut grimper sur la grue. Ok. Mais ouais, non, il me manque un tout petit chouille. Et d'ailleurs, je vais prendre un screen. Pour reporter ça. Donc non, décidément, je n'arrive pas à sauter le petit chouille de truc qui nous manque. Et ici, je n'arrive pas à y aller non plus. Bon, après, c'est pas grave, hein, on a notre zinc, hein, c'est pour ça qu'on était venu. Il va y avoir une astuce avec cette grue. Non, toi. Bon, c'est pas grave, hein. T'es... Dans tous les cas, on a réussi à grimper et à avoir du zinc. C'était l'essentiel. On va avoir une nouvelle quête, bah oui, parce que il y a notre cher Francis, c'est parfait, c'est plus que parfait. Et Francis a des nouvelles courses. Déjà, on va vendre. Ah, j'ai pas grand chose à vendre, donc c'est presque étonnant. Alors, je vais lui acheter des choses. Je vais prendre les deux et je pense que niveau bouteille vide, je suis pas mal. Alors, il manque du refri. Ben, je vais y aller. On va tout de suite aller faire du refri. Du refri, le refri, ça c'est du riz pas frit. Ça c'est pas du riz, ça c'est du pudding au riz. Le refri. Je le trouve pas. Le refri de mémoire, c'est du frit
et du riz. On a ici un Giovanni à nourrir. Un Gustave à remplir. Oui, qui a très faim, Gustave, je suis d'accord. Et il nous donne un buste antique, c'est parfait, on va pouvoir le vendre. Voilà, et Giovanni, qui va être content. Qu'est-ce que tu dis, Giovanni? Écoute, trésor, je ne crois pas que je sois encore vraiment le bienvenu à bord de ce bateau. Je sais, je viens tout juste de me rejoindre à vous. Mais je n'ai pas vraiment mon mot à dire, tu sais. Si seulement. T'inquiète pas, j'ai passé du bon temps. Je ne regrette rien. J'ai adoré ce salon. Un peu trop, peut-être. Je crois que tu vas devoir renflouer le bar. Ok, allez, tu connais le chemin, Bambina. Et on connaît le chemin vers le seuil éternel. Ça va être le revoir. Est-ce qu'on prend le minerai fondu ou pas fondu? On va la laisser faire de la fonte, écoute. Ça ira très bien. Ici, on a un Bruce et Mickey qui a faim. Bruce et Mickey. On... Mais les gars, où vous allez? Je suis en train de vous parler, les gars! Il reste des graines là? Ah, y a plus de graines. Je peux pas me donner des poussins s'il n'y a pas de. Alors, j'étais en train de choisir votre bouffe, les gars. Des légumes. Je... Ah oui, y a que des légumes. Oups. Oups. Salade aux œufs. Salade aux œufs. Et oui, oui, on sait les décorations pour la maison. Et il s'enfuit déjà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Bah, je viens de te parler il n'y a pas 10 minutes. Qu'est-ce que je te donne? Du café sucré, tiens. Voilà. Et je te fais un câlin. Parce que, pourquoi pas. Hop. Du coup, normalement, on a du riz frit. C'est parfait. Donc, mon cher Francis... Ah bah, du coup, j'ai donné ma salade aux œufs, bien évidemment. Donc, il me faut des pancakes et une salade aux œufs. Bien évidemment. Donc, salade aux œufs. Salade aux œufs. Des œufs et un légume. Des œufs et un légume. Et les pancakes. Selon toute vraisemblance. Peut-être avoir de la farine. Normalement, j'ai débloqué la recette de pancakes. Hein. Ça va. Mon bateau est pas trop sale. Ce sera un épisode tranquille. Hein. On va essayer de récolter ce qu'on voulait. Bah, du coup, d'ailleurs, maintenant que j'ai du zinc, je vais pouvoir aller faire un lingot de zinc. Pour pouvoir aller faire les feuilles de... Je ne sais plus quoi qui méritait du zinc.
pendant que ça cuit. Ah, un œuf. Bah oui, quand je mets des graines, ça me donne plus vite des œufs. Ah, la nourriture est prête. Je vais m'occuper de la nourriture d'abord. J'avais des pancakes à faire. Alors, des pancakes. Pancakes. AP comme pancake, bien évidemment. Œuf et de la farine. Donc, œuf et de la farine. Alors, est-ce que n'importe quelle farine? Je ne sais pas. On va voir. Donc il me fallait des feuilles de laiton, visiblement. Je pense qu'il m'en fallait deux. Oups. Ok, donc c'est... pas mal de voir comment ça marche quand ça échoue. Parce que c'est vrai que pour le coup, c'est pas forcément trivial. C'est parfait, et du coup on va vérifier ce qu'il nous fallait avec. C'est pas pour chez Atul, c'est pas pour ça. Feuille de verre transparent, c'est pour chez Brossé. Il vous en faut deux. On va laisser le temps à nos pancakes de cuire. Et on s'arrêtera juste après, hein. L'épisode est un peu long. On n'a pas fait grand chose de palpitant, malheureusement. Surtout, gérer notre maison, notre bateau. Parfait, on va aller chercher nos pancakes. Ce qui fait qu'on va pouvoir prendre la course. Œuf miroir, pancake, salade aux œufs. Ça nous fait quand même 10 000. Alors, et ce brouillé ? Ai-je déjà réussi à faire des œufs brouillés? Je suis pas sûre. Pour des œufs miroirs, il faut juste de l'œuf. Et je suis absolument nulle, j'ai aucune idée de ce qu'il faut pour mettre des œufs brouillés. Comment on fait des œufs brouillés? Avec du lait peut-être? Est-ce que je rajoute du lait dans mes œufs? Ça me paraît bizarre. La crème? Genre je peux faire des œufs avec du sucre? Mais ça me donne quoi? Attends, j'ai pas validé, je... J'ai juste mis mon œuf. Bah oui, rends-moi mon œuf.
Ça fait quoi un œuf avec du sucre. Ça se trouve, j'ai déjà fait la recette. Hein. J'en serais bien capable. Mais en tout cas, j'ai dit que l'épisode était déjà suffisamment long. Au pire, j'irai chercher sur le wiki si j'arrive pas à faire ces œufs brouillés. Et bah, j'espère que ça vous a plu, même si on a plutôt tranquillement amélioré notre bateau. Bah, d'ailleurs, avant de se laisser tout de suite améliorer Bruce et Mickey, parce que c'est quand même pour ça qu'on a travaillé. Plus c'est gros, c'est pas mieux. Non, plus gros, c'est pas mieux. Ah oui, on a rajouté un énorme home cinéma. Et il nous reste encore une chose à rajouter. Mais on verra ça, eh bien, peut-être lors du prochain épisode, et peut-être pas. On verra ça, en tout cas, plus tard. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.